Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous recevons Maître Sylviane Plantelin. Bonjour Maître. Bonjour. Alors pour les Français à l'étranger, un problème peut se poser le changement automatique du régime matrimonial. Alors de quoi s'agit-il en fait ben, En général, quand on se marie, euh, soit on fait un choix en faisant un contrat de mariage, soit on ne fait pas de choix, mais on a un régime matrimonial qui existe par la loi. Par exemple, en France, lorsque l'on se marie, le régime est le com la communauté de biens réduite aux acquets. Par contre, si on est français de l'étranger, cela veut dire que l'on a déménagé, on est parti s'installer à l'étranger. Et si on n'a pas fait de contrat de mariage, eh bien le régime matrimonial qui va s'appliquer n'est pas celui de la nationalité ni du lieu du mariage, mais du lieu où on va s'établir après le mariage. Je vous donne un exemple, ça sera plus simple. Vous avez un jeune couple de français qui se marient en France et qui partent pour faire leurs études ou s'établir professionnellement et pour fonder leur famille à Londres. Ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Ils pensent être sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, puisqu'ils sont français et sont mariés en France. Mais pas du tout. Ils se sont installés à Londres et c'est le régime légal britannique, anglais, qui va s'appliquer. Or, c'est la séparation de biens. Donc, le principe, c'est le régime du pays. Où on s'établit après le mariage. Mais il y a la mutabilité, c'est le changement dont vous parlez. Ce qui veut dire que même s'ils savaient et qu'ils se sont renseignés et que leur ils connaissent leur régime, il suffira qu'ils partent habiter dans un autre pays ou qu'ils reviennent en France ou qu'ils partent dans un autre pays. Il y a la mutabilité, c'est-à-dire que quand on n'a pas fait de contrat de mariage, le régime va évoluer et c'est celui du pays où on va se trouver qui va être appliquée dès lors où on y est de façon importante à partir de, à partir de 10 ans. Par exemple, si on regrette son choix, est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière Voilà, en quelques mots. Tout à fait. Alors, quand on est franco-français et qu'on n'est pas pour les Français de l'étranger, c'est un petit peu plus strict. Il faut être marié depuis deux ans ou changer tous les deux ans. Et puis, dans certains cas, il faut passer par l'homologation du tribunal si des enfants sont mineurs ou s'il y a des oppositions. Sinon, c'est beaucoup plus simple, c'est vrai aujourd'hui. Mais pour les Français de l'étranger, dès lors où il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire soit par la nationalité, soit par le lieu où on habite, eh bien, on peut. Sans sans attendre deux ans, on peut faire autant de fois que l'on veut des modificatifs ou des changements de régime matrimonial. Et ça peut être intéressant parce qu'un euh, choix qui est fait à une époque de sa vie euh, où on a par exemple des responsabilités économiques en étant chef d'entreprise, par exemple, eh bien, peut être tout à fait différent au moment où on a fondé sa famille, les enfants sont grands et on souhaite protéger plus le couple et adopter par exemple une communauté. Donc on peut modifier. Et le contrat de mariage ou la déclaration de régime matrimonial est un outil pour la paix de la famille et également pour le patrimoine qui est très peu connu. Et nous, notaires, nous avons beaucoup l'habitude de le conseiller et on peut l'adapter avec énormément de clauses qui correspondent à la situation de chacun. Merci Maître Plantelin pour toutes vos explications et à très vite sur ce plateau.